Salut à tous. Du coup, nous avons beaucoup de problèmes. Luigi nous fait beaucoup de problèmes dans la vie. On a beaucoup de problèmes maintenant à cause de Luigi. On vous expliquera pas pourquoi, car ça va être très long et on vous expliquera sûrement à la fin de Let's Play pourquoi et dans tous les cas comment on va le finir, on ne sait pas encore. De toute façon, il y aura que deux tiers des personnes qui regarderont la vidéo qui auront l'information. À part Grévy. Alors là, il dira tout à l'heure un moment. Enfin, il nous a montré. L'œuf qui bugare là-haut, là. L'œuf. Il faut monter là-haut, je crois, il a dit. En plus, c'est un des niveaux que j'adore beaucoup, hein, ce... Tu l'adores beaucoup? Bah, un de mes préférés, quoi, avec la fête foraine, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent. Faut aller où, là? Faut aller là. Tu vas à gauche, sérieusement? Comme oui, un communiste. Si tu vas à droite, bah on tombe dans le vide et de toute façon on est Mario et Luigi. Caméra. Sont du côté gauche. Regarde-moi ce magnifique bleu. Waouh, ça bug. Alors qu'est-ce qu'ils font ici là? Ils restent en train de regarder la lumière de là-haut. On va écouter ce qu'ils disent. Putain, vous voyez qu'ils sont pas fait chier, ils ont pris la voix du mec et ils l'ont mis en aigu. Je veux glisser en bas et aller voir la plateforme en bas. Oula. Je pense que je vais être apte à rebondir de là et entrer dans le trou de Ballard. Tu veux lire la deuxième personne parce que y a que moi qui lis des dialogues. Ce petit arrête pas de parler sur sauter dans un trou en bas d'ici. C'est pas juste pas sécurisant, c'est impossible. Ah, tu peux le faire? Do it! Yes. Bah, apparemment, on peut le faire. Je vais parler au Kikar là. Merde, j'ai entendu tabasser. C'était pas voulu, putain, et ça bug. Tu t'en... What? T'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Oh, putain, ça m'a fait un son, mais saturé, c'était trop drôle. Glisser en bas sur le trampolinard et colorar Jadot sable, c'est trop drôle. Lol. Mais je pense que je vais rester assis ici. Et à profiter de cette jolie var au sas. Tu sais, j'étais une enfant sauvage dans mon passé, dans mes jours, hein. Même si je me trouve quand même trop criante sur les enfants pour cette ère. Bon, alors okay. Il faut descendre en bas sur le trampoline là, c'est ça qu'ils disent? Loul! Il sous le bagnard. What? J'ai chiard mon sas. Mon sas. On a vu des piécettes. Putain, si seulement on pouvait. Si seulement on pouvait jouer, putain. Une vidéo terminale montage, à mon avis, il fera que ça, le Mario. Oui, Mario, oui. Loul. En plein sur sa gueule. Mais pourquoi ça m'emmène à gauche? Je suis pas de gauche. Et dans le trou de Ballard. What the fuck? L'oiseau de sable. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ils ont mis des cubes. Bienvenue en enfer. Oh putain, non mais là le pire c'est que... Ah ça va, ça s'efface pas. Il se déplace dans les airs, hein, le loisard. Oui, non, mais ça s'efface pas, je veux dire. Ah bah non, bah là, non, mais laisse tomber, là, si ça s'efface, on était mort, là. Oh putain, la queue laisse tomber, par contre. What? Bah, c'est une mission. Oh, y a une barre, essaie de prendre la barre. La Navarro. Oh non. Hein, je suis où? T'es en dessous le nuage art. Merde. Je vois pas où je suis. T'es sur le nuage art en bas, là. T'es là, là. Oh putain. Tu vas te TP sur moi, je pense, de toute façon, t'inquiète. Voilà. Oh, putain. Wow. Mais attends, mais c'est qui s'excite, ce béac, là? Ce béac de... Ben, quand tu tournes la caméra, waouh. What? What? Mais il fait quoi là? Oh! Putain, qu'est-ce qu'il fait? T'es tombé? Bah oui. Bah oui. Attends, mais Loul. Bah, Luigi pouvait pas survivre à ça. Le pauvre, il a pas de jetpack. C'est con parce que normalement, si tu mouilles le sable, il est censé tomber. Mais c'est... Normalement, enfin, c'est un béac de sable, what the fuck, quoi. Pousse de merde. Oui,
que c'est un béac de sable. En plus, il disait dans l'épisode d'avant, il disait « Ah, oh, il y a l'œuf qui est en danger, il faut vite... » Ok, j'ai 6 pièces à... elle est où, la 7ème? Je crois qu'elle est là-bas, là, sur la car. Par contre, oh, putain. Il bouge beaucoup de la car, comme nous avec nos waifus, et c'est un peu... C'est bon, je l'ai. Alors là... Ça a bougé. En dessous de lui, peut-être, je vois bien le truc. Non, il est pas. Hein. Ah, parce qu'il se met pas sur. Il se met pas sur le dos. Allez là-bas! Elle est là-haut! Oh yes! Oh, putain. Loul, on a fait ça en one temp. On aurait pu crever tellement de fois. Tu sais, ça me fait penser et, à quoi ça? Et ça là, fait tu faisais, tu... Et là, tu faisais un penguin dans le vide et tu. Ou là, on sait pas pourquoi, mais Luigi il spawn et il tombe sur l'étoile. Il fait tout bugger. Une séquence où Luigi prend l'étoile et fait tout bugger parce qu'on avait déjà fait ça il y a un an en arrière, quand on testos testas pour faire le let's play. Ils ont fait le mode à l'arrache. Hein. Par contre, du coup, ils auront vu Luigi prendre une boîte de stats rofienne capitaliste. Oui. Voilà. Bon, bah, let's go, hein. Continuons dans ce monde. Luigi fait des coups de Luigi qui embrasse le mur. Le murong. Spiantissimo Sunspiring. Tiens, ça risque d'être assez drôle parce que tu connais ce personnage. Piantissimo. Yes. Donc tu te doutes bien que c'est un Pianta. Mais c'est le Pianta le moins obèse de tous. En fait, c'est même pas un Pianta en fait. En fait, il est où? C'est lui? C'est le gay là-bas? I'm gay! Il prend la grosse tétard. Et ben en fait, on l'a déjà vu dans une vidéo de Farod où il parlait de l'iceberg de Mario 64 en fait. Non, de Zelda 64. Je m'en souviens pas. Et en gros, apparemment, c'est un PNJ de Zelda 64. Je sais plus dans quel Zelda il est. Y a pas de collision avec lui. Et en gros, il faut faire la curse set contre lui et il faut aller le plus vite possible en haut. Il va nous le dire de façon en fait. Je suis Piantissimor! Et maintenant. Je suis en train de lui mettre le pinceau dans le cul. Nous allons faire une curse set jusqu'au drapard. Voilà, le drapard blanc congolais et communiste avec un capitaliste dessus et une fleur jadeau sur la tête, c'est tellement bien décrit. C'est un peu comme le Koopa dans Mario 64. Ouais, voilà, c'est ça. I'm gay. Il faut la finir jusqu'au drapard. Et seul Donald Trump peut gagner. Et seul un va triompher. Par le chemin, mon non, record, d'ailleurs, c'est 35 d'ailleurs. Secondes. D'ailleurs, ouais, by the way, c'est d'ailleurs. By the war, le chemin, mon record, c'est 35 secondes. Go! Et est-ce que tu es prêt? T'es pour, il va là-bas. J'en sais rien, mais il faut aller jusqu'aux escaliers de Sablard. Il y a Moen. Loul. Oh putain! Loul, what? Ah, ça m'a perturbé! Ah oui, d'accord. Je vois rien! Luigi, il a regard. Oui, j'ai gagné. Tu es pretty good. Tu es pretty bon. Tu as quelques vitesses. Tu es saut truc. Vas-y, dis quoi là, saut slide. C'est quoi, rapide, fluide. Tu as progressé tellement dans mon estime. C'est la première fois qu'il voit et qu'est-ce qu'il pouvait nous estimer là. Oui, mais c'est ça, c'est con. Nous nous rencontrerons comme YTP, c'est Pokémon, Sacha. Coup de Bayard et donne. Et là, Luigi va. Non. On a déjà fait cette blague plein de fois, il faut arrêter. Chus. Sous, ça va, ça c'est mon. Oh putain, Luigi qui arrive, imagine, il touche l'étoile, ça fait vraiment bugger. C'est con. En fait, l'histoire c'est. Ouais. C'est un Italien qui est un grand frère calme, et t'as l'Italien trisomique. En fait, Mario il fait tout ça pour l'amener à l'hôpital. Oh non, putain, les red pièces. Red Queens in the Coral Reef. Ah, barrière de coral, c'est bien ça. Oui, c'est bien, ça sera pas des pièces gogolardes qu'il faudra faire en fleurissant sur un boobsard. Un boobs, pas un boobs. Et ils sont tous communistes. Oui, ils sont plus capitalistes, bizarrement. Comme par hasard. Mais oui.
C'est moi qui suis parlementaire, bougez-vous là. Mélenchon, j'imagine avec la voix de Mélenchon. Aïe, mais qui fait ça, putain, qui fait ça dans l'eau? Ça va être tranquille. Lol, elle bouge. Ouais, ça va être tranquille là, on va prendre des pièces tranquillement. Lol, mais lol! Loup, elle passe à travers les pièces, les rochers! Mais c'est quoi cette pièce là qui bouge tout seul dans l'eau là? Ah, j'ai ramassé une pièce rouge, tiens, sans faire exprès. Mais loul! Attends, on remonte, suis l'ombre. Bah, c'est ce que je fais, mais putain. Oh, putain, y'a. C'est quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est... Mais loul! Putain, non, mais cette pièce communiste, je vous jure que. Alors là, on peut pas tourner la caméra. Y'en a une là-bas. Ouais, vas-y. Ah, y'en a une là, tiens. Loul. Ça fait cher dans le car, ça, que... Ok, j'ai pris la quatrième. Non, mais on peut pas tourner la caméra. Comment tu veux gagner, là? Comment tu veux réussir, bébard? Tu vas rigoler, mais j'avais vu un panneau d'un village. J'ai plus comment il s'appelait. Et j'avais lu la bébarderie. Lol, non. T'as une pièce. Mais c'était pas ça. C'était les bédards de je sais pas quoi. Et j'avais lu la bébarderie. Ah. Oh, putain. Ah mais oui, il me voit pas moi. Sorry. What? Il est mort? Il ne mange que les personnes en bonne santé. Il ne mange pas les trisomiques. Oui. Il a raison. En même temps. Attends, ça fait pas si tu fais. Bon, moi ça va, il one shot pas comme le. Lui de Mario 64. Ah, j'ai pris une pièce. Parce qu'on sait pas, mais autant ça se trouve. Ouais. Autant ça se trouve. Tu veux mon intuition? Je pense qu'elle est là-bas, la dernière. Ah, il y en a 6 là. Là on a regardé ici? Non, ah, attends, il y en a une là. Ouais, y'a rien. Là, elle est là. Ah, elle est là-bas. C'est bon, la caméra... Ah, c'est les poissons qui l'ont, c'est les poissons Mélenchon qui l'ont, là. Donnez-moi ça, là. Oh. Oh, la pièce communiste, putain, là. Mais loul, c'est bullshit. T'as déjà vu une pièce rouge passer à travers des rochers, toi? Non. Elle est où, maintenant? Elle est où, maintenant? Mais lol, c'est débile. Ah, elle est passée où? On peut... Allez, là. Allez, là. On peut tourner la caméra que quand on est vraiment au sol. Deux Italiens dans un récif de corail en train de nager après une pièce rouge communiste. Un jour si tu vois ça tu m'appelles. Oui, Aya. Oh, c'est Shadow Kong qui revient. Mario, après after lui, him. Tous après lui, ouais. Ouais, bah sauf que là, il y a Bébard de Luigi. Ouais, puis ça va pas durer longtemps, je peux te dire, moi. Oh, bah y a la musique, elle a changé d'un coup, là. Attends, bouge pas. Ah ouais, mais faut que je m'avance, sinon ça va te départ. Mais non, regarde. Tabasse-le. Loul. Loul. Il faut vraiment lui sauter dessus, en fait. Loul, ça va pas marcher. Loul. T'as vu où il est monté? Il est monté ici. Loul. Je vais arroser les mouettards. Plus ça va, plus il est dur. Hein. Mmh. Ah bah non, je croyais qu'il était Google. Loul. Ouf. Où est le... Il est parti devant là. Prends-moi la grosse tétard, cet italien. Communiste, mais. Oh, attends, t'as vu ce qu'il y a dans l'arbre là? Oui, il y a un piafard dans l'arbre. Si... Et c'est un regarde, capitaliste. Il est là, je le touche, ça marche pas. What the fuck?
commence à être chiant, hein. En même temps, putain. Loup, le putain, il a changé d'avare. Puis... Il a changé de Navarro. C'est le mot de Richelieu. Non mais putain. C'est bon, la tabassard, bien joueur. What? Non, c'était moi. C'était moi. Loul. Ah, il y a un nid d'abeillard en dessous, là. Regarde. Bon, on s'en fiche. Allez. Tu vas mourir, là. Je vais mourir, là. Pissue dessus, vas-y, à ce imposteur. What? C'est broken. What? Mais Loul, bon, bah. T'es mort, mais tu te relèves, t'es... Et voilà, 21ème étoile art. Swiss Home. On va marcher entre bébards tranquillement. Mmh. Cool. Oui, prends. Ça, on va éviter de prendre la banane en même temps parce que. Putain, une banane qui fait la taille de Luigi quand même, c'est. Putain, pourquoi il est triso, Papy Champi? Il a pas la banane, Del. Regarde. Monster Mario, la princesse. Ah, je crois qu'il y a un enlèvement en cours en fait. Mmh. Tiens, on va aller voir le là qui me crache dessus depuis le début du let's play. C'est impardonnable. Ça, je l'ai. Je l'ai. Si je l'ai. Quelqu'un je a ruiné mon mur. Je si je l'avais, quelqu'un aurait ruiné mon mur. Que ce M signifie. Et nous sommes rencontrés déjà avant. Lol. Il change de tard. Et il s'engueule là les. Il attend. Loul. Non, ceux-là tu peux pas les prendre, je crois. Ouais, ils sont. Ah merde. Tu peux que les. T'as vu, ça a changé là maintenant. Il y a un bâtard qui. Un bâtard. Il y a un bâtard qui est en train de nager. Enfin, nager lol. Flotter. Bon, ça va être départ, Bébard, t'inquiète. Bon, par contre. Loul. Je peux prendre la vie là. Ah ouais, voilà. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Wow. Là. Putain, là, ça a bien regressé, hein. Elle a un niveau qualité, putain. Là. Ouais. Là, comment elle tremble, Peach. What? Tu t'es cru dans... T'es cru pour un marsupilami, là. T'as tiré ta langare... et là, ça explose. Mm-hmm. Le machin, il perd toutes ses pièces et il explose. Il est tout excité, le machin. Il tremble et tout. Il y a un truc qui doit être là, mais on n'a rien compris. Must be there, c'est tout ce que j'ai... Moi aussi. Tout ce que j'ai compris. Ah, regarde, il y a quoi? Waouh. Il y a... Ouais. Un nouveau monde. Waouh. Allez, allons enfants de la Patrick. Pina Park, donc mon premier... Enfin, mon premier LOL. Mon préféré... Mon monde préféré du jeu. Voilà. Ah oui. Ouais. Ça va, il est vraiment... Par contre... Ça va être un peu bullshit, je crois. Il va avoir une phase bullshit, à mon avis, vu qu'on est à deux. Oh, regarde, t'as vu? Je me rappelais plus de... Du coup, ces trucs. C'est des Mélenchons, hein, ils sont énervés, regarde. Oh putain! Il est Kong. En fait, t'as vu, ils sont communistes, ils sont énervés. Et il faut les rendre Kong pour les tuer. Ça l'attège. Oh, il y a des, ouais. Des tourne-kong. Regarde. Elle. Bon, allez, vas-y, faut rentrer dans le parka. What? Oui, c'est quoi ces trucs? Oh putain! Oh, il tacle le transwatisé. Ah, je connais. Attends, oui. Quoi, c'est merde? Là. Loul! Faut les mouiller.
Voilà. Et un Yosha en tour de manège. C'est cursed quand même. Enfin pas cursed, mais c'est violent. Hein. On arrose la tortue pour qu'elle se fasse électrocuter par sa carapace après. Oui. Il est où là le... Là. Non mais le Mario là. Le brésilien Oh, bien joué Arthur, tu l'as Rosard et... Cool, fallait... Il était même pas là, c'est con. T'as plus de pixels dans l'image, non? Oui. Waouh. C'est Moïse, en fait. Ouais. T'avais jamais vu cette scène-là sur YouTube? Non, jamais. Il sépare la mer en dard. Bon, par contre, le... Oh, t'as la bouche... Wouah, qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Bon, c'est 6 Bowser avec coulé. Hein. Bon, Bowser up top. Bowser up top, exactement. Anti-mariard. L'aile. Incroyable, quel spectacle! Est-ce un nouveau show pour nous? Vous êtes génial! N'importe qui arrivera... qui vous engagera aura besoin d'un sourire. Non, attends, d'un... Hein? Bah, c'est un vieux chinois vénéneux, il doit pas bien parler. J'adore comment vous jouez les héros sans peur et il est comme une mauvaise version de vous. Mais vous deux, vous ressemblez le pareil et stuff. Comme deux gouttes d'eau, quoi. En tant que directeur du parc, je veux assurer votre succès, votre réussite. Donc, pourquoi pas que je vous donne un véhicule de héros. Bonne fée. Mais du coup, t'es pas là, toi. Avec une torpille. Loulou, oh là là, je sais plus ce qu'il faut faire. Faut l'arrêter, je crois. LOL, mais vas-y. Faut arroser les flammes en même temps, je crois. Oh putain, wow. Oui. Ah oui, j'avais pas vu. En fait, faut gérer les flammes, faut gérer quand il tire un missile, quand le missile il tire dessus. Je sais pas si je peux le toucher. Oh putain, regarde tout ce qui arrive là. Ah si, je l'ai touché. Oh, tu l'as eu. Wow. What? Mais... tout ce qui... Ah, mais c'est qu'il y en a qui arrivent des deux côtés, en fait. Intéressant comme gameplay. What? Déjà? Trois coups. Ah ouais, putain. Bon, ça risque d'être intéressant, là, par contre. Barre-toi, Peach, putain, saute dans l'eau, fais quelque chose. Mais oui, Mario. Putain, elle est blonde, hein. Lélé. Et oui, c'était prévisible. Mais il touche pas ma mère. Je suis ta mère, mais il y a un gros problème de mais de lui. Il m'a dit que ma mère a été kidnappée par un mauvais homme. En gros, Bowser, il dit vas-y, ta mère a été kidnappée par un Italien et voilà. En gros, il veut la protéger. Attends, mais c'est catastrophe qu'il a conçu le pinceau. Mais c'est un trait de sa fils de pute.
Ah oui, il s'est déguisé, peut-être qu'il s'est déguisé en Mario, il lui a donné le pinceau et ça doit être ça, je pense, une connerie du genre. L'aile. Je comprends la moitié de ce qu'il dit. C'est, on n'a pas les sous-titres. Hein. Le mode est vraiment fait. Bah oui, bah il Peach. Pour les Américains. T'avais 10 minutes pour sauter, Peach. Écoute. Un bar pédard. Ok, bah écoutez. On va prendre les toilettes, le toilart. Luigi, tu ne touches pas, bien sûr. On va se quitter sur ça, du coup. On va prendre les toiles et on va se quitter sur ça. Et on vous dit à très bientôt. Et portez-vous bien. Je te laisse le mot de la fin. Hein. Yes. Tu arrives à la prendre? Loul. Lel, prends la part. Attention, hein. C'est Luigi qui va la prendre. Non.